Et voilà l'engin fini. Allez, on va regarder en détail ce que j'ai fait et les conneries et les. Vous entendez le bruit du craquement là? C'est pas les pignons qui sont à la réglée. Hein. Hop là, il est beau. Hein. Voilà, mon petit engin terminé. Alors, on va détailler un petit peu, parce que j'ai fait pas mal de modifs hein, qui n'étaient pas prévus. Alors, on va faire une petite présentation. J'ai même pas enlevé le. Tiens, on va le faire en direct. On va enlever ce petit. On voit bien là. Petite protection là. Que tout ce qui est carreau, c'est terminé. Il reste. C'est ça, ça passe au travers, non. Voilà. Ah, ça brille de tous ces feux. J'ai fait un petit dessin intérieur, j'avais prévu de faire ça au moins dans le jardin. Mais ça fait 3 jours qu'il pleut. Et hors de question que je la dégueulasse tout de suite. Ah pardon, j'ai oublié d'enlever ça. Hop. Voilà. Je vais pas mettre mes doigts dessus. Je vais me laver les mains d'abord. Regarde-moi ça. Vraiment une belle petite gueule. Hein. Vraiment, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc mon ancien Panda Thunder Tiger thermique. Modifié en petit brushless. J'aime bien ça. Hop là. Je vais chercher les carreaux qu'il y avait avant. J'arrive. Voilà. L'ancien pick-up. Petite modif. Sympathique, je trouve. Reste les autocollants à mettre et puis c'est terminé. Ah, j'ai 2-3 petits trucs à finir. Je me suis commandé un petit pare-choc aluminium, en couleur aluminium, avant-arrière. Je vais voir ce que ça donne. Je l'aime bien comme ça, moi. Je préfère vide là. Ça fait brut. Brut de finition, j'aime bien. Ok. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et hop. Voilà, donc ça en fait c'est un petit kit. J'ai trouvé ça sur d'AliExpress. Je vous disais que c'est une
ça lui donnait un petit peu de caractère, de petit feu de vin. Et voilà donc l'intérieur. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire l'avant en fait, qui était, j'avais dit au début, ou dans une des vidéos, je ne sais plus, que je voulais laisser au maximum d'origine pour faire un retour arrière, mis à part les plots qui étaient prévus d'être découpés. Parce que la carrosserie d'origine, elle est prise tout au même niveau. Là, j'ai cette partie-là qui m'embête, qui m'a énormément embêté. Et j'avais pas calculé aussi qu'il y a une déco là en fait, la forme de la carreau. Oh, je suis en train de pousser le caméra, c'est passé la figure. Donc la forme de la carreau qui part en V devant là, qui forcément se répercute ici. Et donc en fait j'ai été obligé, bah, vous voyez, hein, là j'ai deux trous là, ça c'est mes trous d'origine, et j'ai été obligé d'avancer la carreau en fait, parce que les amortisseurs tapaient contre la descente ici, hop, je sais pas, peut-être comme ça, tapaient ici. Donc j'étais obligé d'avancer la carreau pour avoir plus de largeur. Okay, j'avais ça ici, et les amorteaux, bah, ils ont besoin de place à l'intérieur, et j'avais pas calculé ce rétrécissement là, où je perdais de la place. Donc j'ai été obligé de faire pas mal de modifs à l'avant. J'ai pris une... Ça c'est le support de ma Vito. Vito MRC, en fait, que j'ai... où les amortisseurs étaient pris là. En fait, c'est le support à l'envers qui était fêlé ici. J'ai coupé, j'ai renversé et j'ai pris les amortisseurs vraiment sur l'extérieur. Parce qu'en fait, ils sont bien, bien trop longs. Évidemment, ils étaient droits avant, ils arrivaient ici. Mais c'était les quatre mêmes. Vu que j'étais obligé de tout avancer, ben, les amortisseurs étaient un petit peu longs. Mais bon, ça le fait. J'ai vidé, j'ai beaucoup moins de débattement. Mais bon, c'est suffisant. Hein. C'est largement suffisant. Qu'est-ce que j'ai été obligé de modifier aussi? Donc là, bon, je vais vous passer la modif, hein, parce que c'est vraiment... C'est le support d'origine que j'ai coupé, où j'ai remis les plots, je les ai rabaissés, je les fais maintenir avec 4 vis. 2 vis de ce côté-là, 2 vis de ce côté-là, qui prend aussi le support amortisseur. Je l'ai essayé une fois en 3S, qui était beaucoup trop puissant. En fait, même en réduisant le pourcentage sur la radio, on a moins de vitesse de pointe, c'est clair. Par contre, quand on accélère, eh ben, on a la même chose au départ. Et de ce fait, eh ben, je ne sais pas si on va le voir correctement, mais le petit bruit qu'on entendait, voilà, c'est que j'ai pété là. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Hein. Bon, enfin, vous pouvez me croire, hein, j'ai pété une dent. En fait, à l'accélération, première accélération, j'ai une dent qui a sauté. Oh. Donc ça fait que quand je tombe dessus, ben, ça tourne dans le vide et puis j'avance plus. Donc j'ai regardé pour retrouver une couronne comme ça, module 1. Et le problème, c'est que c'est une 40 dents. Et j'ai pas trouvé en 40 dents. La plus petite que j'ai trouvée, c'est 48 dents. Donc, bon, après, ça me fait changer le rapport. Hein, c'est pas bien grave. Hein, je mets une couronne plus grande. Pignon, je serais obligé de laisser le même parce que c'est vraiment un tout petit. Mais bon, ça va pas peiner. J'ai pas pesé, tiens. Mais ça va pas peiner, quoi. C'est pas. Ça pèse pas des masses, ça non plus. N'exagérons rien, c'est du 1/10. Donc, du coup, bah, vu que ça m'a fait ça en 3S, je me suis dit, bon, allez, soyons raisonnables. On va acheter une petite batterie 2S. Donc, j'ai acheté une batterie 2S que je ne vous recommande pas du tout. Hop là, toute petite, hein. C'est une Zoppower. Voilà, Zoppower. 3500 mAh, 60C. Et en fait, quand je l'ai reçue, j'ai regardé tout de suite l'équilibrage avant de faire quoi que ce soit. Elle était complètement déséquilibrée. J'avais un élément qui était à 3,2 V et l'autre qui était à 3,6 V. J'ai mis ça dans mon chargeur. Il a refusé de la charger. Donc, ce que j'ai été obligé de faire, c'est de... En fait, j'ai branché une LED
sur l'élément qui était le plus chargé des deux pour ramener tout en fait à 3,2 V. Et ensuite j'ai chargé tout doucement et elle s'est correctement chargée. Mais je ne suis pas sûr qu'elle tienne le coup dans le temps quoi en fait. Hein, mais, bon voilà, c'est bon, c'est pas des batteries qui sont réputées pour être de bonne qualité. Hein. C'est des batteries qui sont réputées pour être pas chères. C'est pas cher. C'est franchement pas cher. Ouais. Et c'est franchement pas de la bonne qualité, c'est tout. Pas, hein. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en 3 et 4S. Je sais pas, peut-être qu'ils font plus attention aux éléments quand c'est des batteries plus puissantes. Je sais pas trop. J'hésite à en acheter deux en 3S pour essayer sur mon 8SC, sur mon Obao. Je sais pas trop. Mais bon, je vous la recommande pas. Franchement, je vous la recommande pas. C'est pas quelque chose que je peux vous recommander. Bon, je voulais faire de toute façon une petite modif pas chère. Voilà, c'est fait. J'ai mon petit panda équipé en brushless. Dès qu'il fera beau, j'irai faire un petit tour dehors, voir ce que ça donne. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, mais juste pour rigoler comme ça. Hein. C'est pas pour faire des grosses performances. On verra ce que ça donne en extérieur. Bon après j'ai peut-être d'autres modifications à faire. Hein. C'est si je veux vraiment l'améliorer, c'est fraiser tout ça et puis mettre des vis à traite tête fraisée pour pas qu'il y ait d'accroche là. Après bon il y a certainement d'autres modifs à faire. Bon, je vais voir pour les pare-chocs si j'en mets, si j'en mets pas. Bon ça ce sera uniquement esthétique. Puis ben, ce sera tout, ça ira bien pour m'amuser un petit peu. Faut que je me trouve un petit parking, un truc comme ça, voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux pas essayer de réparer cette dent là, refaire une dent avec j'avais utilisé un produit une fois sur une de mes motos. Où on mélange deux pâtes là qui fait quelque chose de très dur derrière, et vraiment très dur, on peut percer, c'est vraiment assez costaud. Par contre je sais pas si la matière tiendra dessus, si ça collera bien. Bon, à voir. Après bon, mettre un pignon plus grand, le problème c'est que j'ai plus beaucoup de. Je sais pas si j'aurai suffisamment de réglage pour reculer le moteur. Bon, je pourrais faire des trous oblongs là. Pour reculer ça je peux le modifier aussi. Ah oui ça aussi je peux le. Ah ben non je pourrais pas l'emmener, plus faudrait que je l'écarte et je suis au plus loin. Non, ça c'est pas possible. Enfin bref, de toute façon il y a des petites choses à bricoler pour l'améliorer, mais bon ça va être juste du voilà. Je vais l'essayer tel quel sur dehors dès qu'il fera beau, donc je suis pas sûr que ce soit tout de suite. Dès qu'il y a un petit peu de soleil qui se pointe, j'essaye ça, voir un petit peu son comportement, voir si devant j'ai suffisamment de. Bon, il n'y a pas beaucoup de débattement, mais bon, je pense que ça devrait suffire pour amortir les petits chocs. Ça va être pour monter des. Peut-être un petit trottoir, des petites bosses, des trucs comme ça, quoi. Ou sur un terrain, c'est peut-être un peu dur d'ailleurs. J'ai essayé de mettre de l'huile, alors j'ai mis de la 350, c'est beaucoup trop pour ce genre de suspecte. Donc, j'ai laissé de la 350 derrière et j'ai mis de la vaseline, mais j'ai pas de la vaseline, du silicone. De l'huile de silicone devant, mais je connais pas la dureté. Ça, je verrai en fait à l'utilisation. Hop. Mais bon. Allez. Voilà.
Tiens, mets-toi bien au centre, Kondvike. Voilà, un petit jouet. Ça m'a occupé pendant un petit moment. Bon, allez. On verra le prochain projet. Pour l'instant, j'en ai pas. Si. J'en ai un, mais pas que je vais construire moi. Donc on verra ça. On va laisser passer les fêtes de Noël. Hein, et puis on verra ça après. Allez, à bientôt. Tchuss. Allez, avant de finir cette petite vidéo, je vous avais promis de vous dire tout ce que j'ai acheté en fait pour faire cette transformation. Ok. Donc on va lister un petit peu ça. Autre chose, dans la suite des modifications, je vous ai dit là tout à l'heure à l'instant, je vais peut-être mettre un pare-choc à l'arrière. J'avais eu dans l'idée aussi de mettre des petites roulettes anti-wheeling, les wheelie bars. Et en fait, ce que je voulais me fabriquer moi-même. Et juste une petite chose que j'ai trouvée en fait, c'est pour faire vous-même votre wheelie bar. Regardez ça. C'est pas mal comme roulette, hein. C'est assez caoutchouteux, ça prend bien à la main comme ça, ça tient pas mal. Ça, c'est des roulettes de souris. Voilà, ce que vous utilisez sur votre souris. Donc, moi au boulot, ils ont jeté à la poubelle. Donc j'ai récupéré ça, je les ai dépouillés. Et j'ai récupéré ces deux petites roulettes de souris là pour faire une wheelie bar. La matière est assez sympa, le diamètre est pas mal. Hein. Et là, il suffit de percer là et de mettre un petit roulement à l'intérieur ou de faire un gros trou et de mettre un gros roulement hein, selon si vous êtes sur du 1.10 ou du 1.8, peu importe. Mais pour faire une wheelie bar, c'est pas mal ça. Donc voilà, c'était juste pour vous partager cette petite astuce. Hop, vu qu'il y a pas mal de bricoleurs, ça peut toujours servir. Donc ce que j'ai acheté, la carrosserie, celle-ci, hop, je suis bien là parce que je me suis rapproché, ouais, nickel. Donc celle-ci, j'ai trouvé ça chez Banggood. Tata pour voiture Traxxas, Grave Digger, un truc, 14,30€. Ça. La carreau, 14,30€ chez Banggood. Ensuite, le bac à batterie, petit bac à lipo là. Celui-ci, je l'ai acheté 5,39€ avec les deux lanières pour tenir la batterie. Ça, j'ai trouvé vraiment pas cher, donc j'en ai pris un deuxième. L'huile. C'est quoi ça? Je sais même pas quelle marque c'est. Enfin bon, c'est pas bien grave. J'ai trouvé ça chez AliExpress. Là, alors que ce soit, j'ai acheté de la 500 et de la 350. Ça, j'en avais pas de toute façon. Après, puis vous voyez, devant, j'ai mis de la 350 à l'arrière. Et devant, j'ai mis de l'huile silicone. Je sais même pas ce que c'est. 7,55€ le bidon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est un récepteur, voilà. Donc j'ai ma radio Fly Sky qui est vendue avec un récepteur d'origine. Donc, j'ai racheté un récepteur pour celle-ci, j'ai trouvé ça sur Amazon, 5,99€. Ensuite, toujours sur Amazon, le support de moteur, hop, en L là, j'ai payé ça 4,46€. Le combo, donc l'SC 120 ampères et le petit moteur 3660 en 3300 kV, j'ai payé ça 39,49€. Les roulements à billes, alors ça j'ai pris, alors ça c'est, j'en ai utilisé zéro. Ah oui, ces roulements à billes là c'est du 5-11-5, j'en ai pris une dizaine. C'était pour monter dans les jantes d'origine. Celle-ci, c'est du 4. Donc j'ai pris des roulements pour les autres jantes et puis j'ai changé de jante entre-temps. Donc ça, je ne les compte pas, j'en ai pas utilisé.
du 5-11-4. Voilà, j'en ai utilisé alors pour les jantes et puis bah, certainement pour l'intérieur du diff. J'en ai utilisé 7. Donc 5-11-4, j'en ai utilisé 7. Et la boîte de 10, 6,49€. Ensuite, du 5-8-2-5, j'en ai utilisé 2. Ça, c'était pour le diff, je me souviens, c'est les tout petits roulements. 5,99€ les 10. 5-8-2-5. Ensuite, 5XT90, non. Les pignons. Donc, les pignons, j'ai trouvé un set de 9 pignons qui va du 11-12-13 jusqu'au 19 hein, à 20€. 19,99€ sur Amazon, les 9 pignons. Pignon moteur. J'ai mis le 11 là-dessus, hein, j'ai mis le plus petit. Le GX. Donc un petit cerveau, c'est du 9,35 kg, c'est précis. Hein. Digital cerveau GX 9 kg, 10,30€. J'ai trouvé ça sur Amazon. De toute façon, c'est Amazon, Banggood et Ali. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'intéressant là-dessus que j'ai entouré? Ah oui, les moyeux. Ah oui, parce que les jantes d'origine, c'est juste en fait des axes qui traversent avec un écrou là. Pour mettre des jantes un peu plus récentes, celle-ci en l'occurrence, il a fallu que je mette des hexas de 12. Donc j'ai acheté des adaptateurs pour pouvoir sortir en hexas de 12. Donc les 4. Un jeu de 4 pièces, 7,99€. La batterie. Donc 3500 mAh. Alors celle-là, je l'ai voulu rapidement. Je l'ai pris chez Amazon. Elle est moins chère chez AliExpress. Hein. Et vu que j'avais pété ma dent avec la 3S, je me suis dit, bon, on va se calmer tout de suite. Je vais en commander une rapide. Donc j'ai payé ça. 14€, ah il y avait une réduc, 14,05€. Elle vaut normalement 14,79€. Je déconseille. Et les phares, alors ça c'était pour une obligation, mais un petit plaisir. Donc ils sont en 5 mm devant et 3 mm à l'arrière, tout petit. Avec les vendus avec les supports, j'ai juste rajouté les rondelles là, pour que ça fasse, hop, pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Mais sinon, ils sont vendus avec les supports de LED, hein, devant et derrière. Hop. Les petits supports qui sont avec les petits supports chromés, là. Et ça, j'ai payé ça 2,27€. Voilà. Voilà tout ce qu'il m'a fallu pour modifier ce petit Panda. Et le reste... bricolage, bidouillage, adaptation, là j'ai mis des joints derrière pour faire les cales d'épaisseur. Le reste c'est de la récup ou de la bricole. Voilà tout ce que j'ai acheté j'ai pas fait le total. Puis en fait, ouais, je le ferai peut-être histoire de voir combien ça m'a coûté, mais si je fais le total pour être vraiment... Ouais, je pourrais faire. Ouais, je le ferai peut-être un jour, ça, pour voir. Et pour être vraiment précis, il va falloir que je détaille au roulement. Hop, au roulement, au pignon, parce que ça, c'était par pack. Après, je peux faire aussi le total de ce qui a été vraiment utile et le total de ce qui est futile. Voilà. Bon, enfin bon, après, chacun fait comme il veut. J'ai étalé ça, mes achats, sur je sais pas, sur 2-3 mois, je sais plus exactement. Voilà, de temps en temps, je m'achetais un petit connerie, puis parce que j'en avais envie, puis des fois, ben, j'attendais le mois d'après parce que j'avais pas les moyens, et puis voilà, petit à petit, ben, on arrive à faire un petit jouet sympathique. Allez, où j'arrête cette fois-ci. Je ferai peut-être un jour une vidéo où je roule avec.
Mais bon, c'est pas grand intérêt, c'était seulement pour le plaisir de la construction, celle-ci. Allez, à très bientôt, à tous.